Il y a Elon Musk qui est en guerre contre le gouvernement brésilien, qui a interdit Twitter et qui veut peut-être même interdire Starlink. Et puis on va aussi parler de Zuckerberg qui avoue. Que le gouvernement américain, l'administration Biden lui a demandé de faire de la censure. Dans la même semaine, on a, on a eu droit à, à l'arrestation de Pavel Durov, mais on va revenir un petit peu après, à la publication d'une lettre de Zuckerberg adressée à la commission du Congrès américain et le grand final, enfin, je ne sais pas si c'est un grand final, mais en tout cas, du bras de fer qui dure depuis plusieurs mois entre, entre Musk et le Brésil. Donc, on va vous dresser un petit peu l'historique, parce que c'est super croustillant. En fait, c'est un bras de fer, euh, une, une bataille de pit, en fait, hein, plus, plus qu'un bras de fer. Mais <laughs> on, sait, on sait où ça commence, on sait jamais où ça s'arrête, et ça va super loin en termes de surenchère. Donc, l'histoire, retenez selon Alexandre de Moraes, euh, désolé pour l'accent portugais, euh, <rire> <rire> euh, est un euh, juge euh, de ce qui pourrait être l'équivalent de la Cour suprême, en fait, au, au Brésil. Euh, et dans le cadre d'une enquête, alors je ne sais pas si, si vous n'êtes pas sans savoir que en 2022, il y a eu l'élection présidentielle euh, au Brésil et euh, Lula a gagné de très peu, de, de moins d'un point, hein, 50,8 et des broutilles. Euh, Lula, face un gros gauchiste. Bolsonaro, voilà, ouais. ouais. Donc, Lula, en fait, on va dire que c'est un mec qui est pas très virulent vers des mecs comme Maduro ou comme la dictature coup. cubaine. C'est un, un bon gauchiste. D'ailleurs, le premier à se féliciter de l'élection de Loula, c'est Mélenchon. Hein. Il s'est montré euh, euh, très pom-pom très girl, de, 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 ouais, la cheerleader française de, de Loula hein, pendant l'élection. Ah, tu nous mets pas euh... en tête comme image <laughs> Mélenchon, les... Les Lula <laughs> En euh, effet, coup, ça, reste, ça reste assez social-démocrate. C'est un peu, un peu des, des politiques à la française, le Brésil, bien que ce soit un président de gauche qui soit passé. Euh, on n'est pas dans du euh, communisme hardcore non plus. C'est pas du haméro, mais... On est dans du bon gros socialisme à la française. A noter que Lula avait été président, donc le gauchiste, avant Bolsonaro, et qu'il a été oui, réélu bien. de peu euh, lorsqu'il y a eu un nouveau duel, un, un troisième ça duel face voilà. à Bolsonaro ça, ça, ça s'est joué vraiment à, à, à très peu et ça a suscité énormément de, de, de controverses et il y a eu début 2003 début janvier euh, 2023 pardon euh, une prise d'assaut en fait un peu comme au Capitole euh, par les partisans de Trump euh, l'année précédente euh, euh, deux années avant pardon euh, vous avez 5000 personnes qui se sont réunies euh, qui se sont réunies, qui, qui ont envahi en fait les lieux du pouvoir euh, euh, au Brésil, et euh, bon, euh, des centaines d'arrestations et une grosse enquête derrière, menée par euh, notre ami Alexandre de Moraes. Et okay, donc, de cette euh, pour enquête, être sûr d'avoir bien compris, ouais. Lula élu révolte de droitard. Exactement. Euh, contre Lula, ok. Exactement, voilà. Et puis ils sont rentrés dans le palais présidentiel, ils ont tout fracassé, euh, et, 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 etc. Quoi. Je veux dire, ça a été vraiment le, un peu l'épisode du Capitole qu'on a vu aux États-Unis euh, suite à la, que, la défaite euh, de au Trump. Capital, au Capitole des États-Unis, ils n'ont rien saccagé, ils ont été très, uh, très civiques. Alors, ils n'ont rien saccagé, mais c'est quand même pas mal parti en vrille, hein. il y a eu des morts. Hein. Il y a, il y a bon, eu une personne qui, était, qui a été tuée par la police. Voilà, ouais. exactement. Ouais, une Donc, des manifestantes qui a été tuée. Ouais. Ils n'ont rien saccagé, ça, mais il y a eu pas mal de grabuches, quoi. Ça, oui, mais ça n'a rien à voir avec les putains de manifestations Black Lives Matter où ils brûlent des voitures. Oui, Ouais, ouais là au Brésil, ont ils ont carrément, ils ont carrément, carrément saccagé. Il y a eu des œuvres oh, d'art okay. centenaires et tout qui ont été brisées. Mais euh, ils ont fait, fait ça parce qu'ils n'étaient pas contents dans le genre les Algériens alors, qui sont Non, les il y a eu perdre, dans le sens où il y avait une suspicion sus Eh ben, de fraude. En, ben, en, il... Ça a été un peu comme avec Trump. Hein. Je 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 pourrais pas moi affirmer qu'il y a eu une fraude ou quoi. Euh, disons que c'était tellement. Euh, encore une fois, il a gagné avec 50,8%. Ouais. Hein, c'était vraiment au poil de. Et euh, bon, tout le monde a dit que l'élection avait été volée. Et euh, et euh, le problème, c'est que en creusant et en enquêtant, il euh, y a eu carrément euh, des soupçons de tentatives de coup d'État en fait. Et du coup. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse affaire dessus, une grosse enquête et. Euh, Tentative et, de et, coup d'État de la droite contre. Euh, de la part de Bolsonaro, exactement. Ouais. Ah là, exactement Il a bien raison, coup, on négocie pas avec les plus. <laughs> hein et, et, euh, et sinon, euh, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est qu'au euh, Brésil, comme partout dans le monde, quand euh, les élections se jouent à rien, même quand elles se jouent à 3, 4, 5 même dans ce cas-là, on ne peut jamais être sûr à 100% que le résultat est bon. Quand il y a des millions et des millions de votes dans tous les sens. On ne peut jamais être sûr que c'est vraiment le bon résultat. Et ça, c'est une des limites de la démocratie quand il y a autant de votes. En plus, le Brésil, c'est très peuplé. Hein. Je crois que le nombre de votants, c'est deux fois le nombre de Français. Euh, juste le nombre d'électeurs, c'est deux fois le nombre de Français. C'est 130 ah ouais. millions. Ouais. On va ça tout de suite. Parce que vous, vous savez, les gars, quand il quand y a plein de gens qui votent un peu partout, dans tous les sens, qu'il y a des gens qui vérifient les votes, qu qu'il qui, qui... Y, a, y, a, y a plein d'humains qui sont en fait dans ce système-là, euh, et les humains, comme on sait, ça ment, ça triche, ça fait des erreurs. Donc, il y a vraiment… les trois quarts du pays, c'est la Cambrousse. Hein, donc, euh, c'est contrôlé un peu à l'arrache. Euh... Ouais. Il n'y a aucune de... façon d'être sûr qu'une qu 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 élection est vraiment euh, est bonne. Il y a environ 156 millions d'électeurs euh, ah, sur la liste électorale au Brésil. Énorme. Voilà, voilà, voilà. C'est pas un petit pays. Hein. C'est vraiment très peuplé. Quoi. Ça et prend la moitié euh... de, de l'Amérique du Sud, tout simplement. C'est, euh, ben bah oui, c'est ça, ça, c'est hum. ça. Et du coup, bon, grosse enquête. Et dans le cadre de cette enquête, en fait, euh, euh, il se trouve que, euh, et, et là, on. on, on on ne connaît pas trop le vrai et du faux, on ne sait pas à quel point. Euh, mais de mon somme euh, Twitter de fermer des comptes euh, Twitter de personnes suspectées euh, de, de, de faire de la propagande euh, Bolsonaro, Bolsonaro et, et, euh, et aussi de la désinformation. Euh, Qu'est-ce qui se passe On peut, on peut s'arrêter <laughs> sur ce mot de seconde. Désinformation, ça ne veut rien dire. Euh, de propager des fake news, euh, des informations. Effectivement, euh, une fois que tu as l'autorité au pouvoir. Euh, et le fait, ministère le pouvoir de la, de la vérité, et... c'est la Pravda. Euh, à partir du moment où tu as un pouvoir qui décide de ce qui est vrai ou faux, pas, ça n'a aucune valeur. Exactement, exactement. Et du coup, que fait Musk Non seulement il envoie chier le, de Moraes en disant non, non on, il y a une tentative. Il a fait un communiqué carrément, il l'a publié. Parce que c'était en fait, en plus, c'était en, en mode c'est top secret. Tu fermes ta gueule, tu fermes ces comptes-là. tu vois. Et. Euh, et euh, les bureaux Twitter Brésil ont clôturé les comptes et quand Musk l'a appris, il a dit non seulement euh, je vais arrêter te, de fermer des comptes, mais en plus je vais débloquer tous les comptes qui ont été bloqués. Et là, de Moraes, il est monté d'un cran, il a dit, ah, si tu débloques les comptes bloqués, c'est 20 000 balles d'amende par compte bloqué. Musk il a dit, balé, frère, je débloque 20 000, 20 000, dollars, 20 000 rien. dollars. 20 000 dollars <laughs> par, par compte de... Non, non, mais non ouais, seulement il par débloqué, compte, c'est par jour, c'est ça Non, non, par ouais. contre. Ah. Est, ah, okay, est, est, ah, okay. On n'est que dans les premiers échelons là, de, de, de ah, l'espace. C'est le alors, début alors, de l'histoire. On, oh, ouais. on y va chronologiquement. Et donc, euh, on a une idée du combien de comptes étaient bloqués à peu près Il devait y en avoir une soixantaine parce qu'il me semble que l'amende était de 300 000 balles. Ah, okay. 300 000 oh, dollars. En fait, euh... ça fait un peu penser à ce qui se passe en Angleterre. Euh... Alors, on n'y est pas encore parce qu'en Angleterre, ils, ils vont carrément arrêter les gens chez eux pour, les, pour des tweets. Hein. Ouais. Euh... ouais, non, je dis ça parce qu'il y a Lucas FR7 qui nous dit bah, c'est quoi le problème de faire de la propagande Si C'était pour Bolsonaro, C'est une dictature, le Brésil ou quoi ah, Oui, mais comme euh, la grande majorité des pays occidentaux. Bah, il est là le problème. Et c'est comme ça que l'a pris Musk, en fait. C'est qu'il n'y aura pas de. Peu importe, je veux dire, c'est pas parce qu'un mec n'est euh, pas dans ta ligne politique que je vais le censurer. Donc, Musk a refusé. Et. Euh, et euh... Et du coup, il y en a eu pour 300 000 balles d'amende, mais Musk, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas payé. <laughs> il a dit, bah non. <laughs> je ne paye pas. Et de Moraes, il n'a pas été du tout, il ne s'est pas débiné. Il a dit Ah, c'est comme ça. <laughs> il, a, il a gelé. Et, et c'est là où, en fait, on, on, le Brésil franchit la ligne rouge. C'est que comme il ne pouvait pas euh, taxer euh, Twitter, il a saisi les avoirs de Sterling pour payer l'amende, en fait, de Twitter. Ah, yeah, et yeah, en fait, yeah, yeah. c'est comme si je prélevais ton compte, c'est comme si je me servais sur ton compte parce que ton frère. Euh, euh, n'a pas payé son amende, tu vois, je veux dire là il franchit la ligne rouge et c'est ce qui permet à Musk d'ailleurs d'embrayer sur le terrain juridique. Ouais, parce que pour ceux qui sont pas au courant, il y en a toujours un petit pourcentage qui sont pas au courant, mais Elon Musk il a plusieurs entreprises, comme Tesla Exactement. les voitures, comme Starlink à internet via satellite, euh, comme Twitter, etc. Et donc là ce qu'ils ont fait c'est comme Musk ne voulait pas payer son amende via Twitter, euh, ils ont chopé les infrastructures ou les avoirs de, de Starlink, une autre de ces entreprises au Brésil. Ouais, pour euh, on si est que il... aux avoirs. Ouais. Juste aux avoirs, oui. juste les comptes en banque. Ouais. Ah, les comptes en banque, putain. Est-ce que il a fait ça légalement est-ce que il y, y a une loi qui lui permet de faire ça ce bah, euh, le mec c'est la résine. plus haute autorité euh, juridique du du du, du, du comment s'appelle du pays donc euh, à un moment donné enfin euh, c'est <laughs> la loi c'est moi quoi en gros d'ailleurs Musk l'a dénoncé il a dit le juge le pseudo juge non élu euh, euh, dictatorial euh, en gros il, il ça a fusé en fait sur Twitter oh, ouais. et et de Moraes Pareil, il répond en disant "Ok, euh, si tu veux pas bloquer les comptes, on va foutre en taule le représentant légal, parce que Twitter a des bureaux euh, au Brésil, à Sao Paulo. Av. <laughs> il dit "Si c'est comme ça, on va foutre en taule le représentant légal de Twitter. Alors, et, et là aussi, où les, où les pauvres employés brésiliens de Twitter sont pris un peu en, entre le marquitos et l'enclume, parce que Musk, depuis les États-Unis, il Timorais dit, il dit, va te faire. Mais euh, eux, ils sont au Brésil et ils risquent leur peau, tu vois. Donc, euh, euh... c'est des Brésiliens au bureau de Sao Paulo. C'est des Brésiliens, c'est pas des Américains qui sont. Ah ouais, ouais c'est des, des Brésiliens. Tout à fait. Tout à fait. Ah ouais, du coup, Demores menace de foutre en tôle euh, le représentant légal de Twitter euh, au Brésil. kathleen euh, <laughs> Musk dit Ok, 17 août, on ferme Twitter au Brésil. Du jour au lendemain, <laughs> il n'y a plus de Twitter au Brésil. Qu'est-ce <laughs> que tu vas faire On vient me chercher aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire <laughs> Et, 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 et Mister, euh, tout, tout en embrayant sur la voie légale, en disant « bon, c'est pas normal en fait, euh, c'est Twitter, euh, c'est une société A, tu peux pas venir euh, pomper les, les comptes de la, la société Starlink pour payer l'amende de Twitter ». Et euh, donc, c'est tombé la semaine dernière, semaine dernière, c'est tombé euh, la… la la Cour suprême du Brésil, dont de Moraes fait partie bien entendu, sinon ça serait pas drôle, a décidé a décidé que de débouter débouter de Musk et a rendu illégal la plateforme euh, Twitter. Donc les Brésiliens depuis samedi dernier euh, ne peuvent plus accéder à Twitter, c'est bloqué par les fournisseurs d'accès internet et 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 c'est là que ça devient super totalitaire en fait, parce que ouais. ils auraient pu s'arrêter là, mais en fait euh, le pire dans, dans l'histoire c'est que tout Brésilien chopé sur un VPN en train d'être sur de, de, de Twitter, euh, s'expose à une amende de 8 000 dollars par jour ah, ouais. et, et ramené au niveau de vie français, pour que vous donniez un ordre d'idée, hein, euh, parce que le niveau de vie au, au Brésil est un peu plus bas quand même, ça, ça fait l'équivalent en France d'une amende journalière de 15 000 balles. Putain, un truc de... Le salaire moyen au Brésil là. est de 560 euros, donc c'est énorme pour eux. Ah. Bah déjà, euh, en théorie, si... Euh... Si tu n'as pas d'argument, tu utilises la censure. Si tu as des arguments, si tu sais échanger, si tu si peux apporter des preuves, si tu peux euh, contredire les gens, euh, tu n'es pas obligé de censurer. C'est ceux qui, ceux qui censurent, euh, c'est ceux qui n'ont pas d'argument. De deux, ouais. tu mets des amendes aussi élevées pour l'utilisation ah bah ouais. d'un site internet, c'est du putain de, de totalitarisme. Il y a du pas, pas de totalitarisme. Ouais. 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 Parce que, autant, attendez, euh, parce que tu, là, on dit, on interdis... dit le Brésil. Ouais. Le, on dit le Brésil et ils interdisent Twitter. Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement qui vous vient en tête qui a banni certaines chaînes russes de diffuser en France Ce <laughs> n'est pas un peu le même truc au final. Il y a, a quelqu'un, un procureur de la République ou je ne sais pas qui, qui a dit Ordre exécutif, maintenant RT n'est plus diffusable en France. Ah, ouais. C'est même pas le, un procureur, c'est l'ARCOM, vient directement le, oui. le, le, la présidence le gouvernement. Quoi. Oui, et pour, euh, RT, ah, a, ouais. il y en a beaucoup qui pensent que c'est un, un, un journal euh, d'État. Un média d'État, alors que pas du tout. Alors que oui, c'est un truc privé. Ouais. Par, le le par, seul truc, truc qu'on leur a reproché, c'est d'être pro-russe. Mais d'un côté, exactement. tu vois, tu prends quelque chose comme l'AFP, France 24, tout ça, ils sont pro-occidentaux. Et... Ah ça oui, oui, oui. c'est toujours le, le... un camp contre l'autre. Mais, mais la France a censuré RT, mais tu ne prends pas une putain d'amende super salée ouais. si tu regardes RT. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, Musk, qu'est-ce qu'il fait qu -ce... Parce que Musk, c'est pareil, il surenchérit encore. Encore une fois, c'est un, un, un concours de bite. À qui, à qui la la réalité, mec, c'est que n'importe quel Français qui regarde RT France avec, euh, ou RT, je ne sais pas quel pays, avec un VPN, il euh, n'y a personne qui va venir le faire chier. Tu sais ce que je veux dire non, ouais. Il ne va rien ouais, se passer ouais, du tout, ouais, même pas ça. une petite amende ni quoi que ce soit. Là, il vraiment une. Là, c'est carrément une, une guerre d'ego, quoi. Mais totalement, totalement, totalement. Donc, Musk, qui se débine pas non plus. Il dit puisque c'est comme ça, eh ben, euh, 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 j'offre <laughs> Starlink <rire> à tous les Brésiliens <laughs> s'ils veulent pouvoir aller sur Twitter. Euh, euh, Starlink c'est gratos, Starlink gratos, et, et, ouais. et c'est tombé hier, café de Moraes. Pareil, il a remis une couche, il a dit <laughs> Ah, c'est comme ça. Et eh bien, je saisis tout le matériel de, de, de Starlink en. en ah,